Yo les gens, c'est Gwael, comment ça va? J'espère que vous êtes chaud, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Madeline Pryor et du rework des Marauders. On a une vidéo exclusive avec des infos fournies par Scopely. Madeline Pryor, il faut savoir que c'est grosso modo un clone de Jean Grey Phoenix créé par Mister Sinister. Un peu comme Strife, on va la retrouver dans Marvel Strike Force. Dans l'équipe des maraudeurs. Les maraudeurs ont aussi récupéré un petit rework. On va regarder ça d'ailleurs en priorité. Et je vais vous mettre tout au long de cette vidéo un petit peu de gameplay. Madeline Pryor, donc aussi appelée Goblin Queen. On va la regarder dans un second temps. On va se concentrer d'abord avec un petit peu de gameplay sur ce rework des maraudeurs. On a tout d'abord sur Strife un peu de nouveauté au niveau de son spécial. Désormais, en défense de guerre d'alliance, si Mystique est un allié, on va donner de la barrière à tous les alliés égale à 25% des PV de Strife. Donc avec son spécial maintenant, on gagne provocation, déviation et on met de la barrière sur toute l'équipe. Et on génère aussi 2 d'énergie de capacité pour 2 alliés maraudeurs aléatoires, sauf Madeline Pryor. Avec son ulti à notre petit Strife maintenant, si on tue quelqu'un, on va gagner plus 1 provocation, jusqu'à un maximum de 3. Et si on avait des charges, on va supprimer les charges. Vous allez voir ensuite sur son passif à quoi correspondent ces charges, parce qu'on a des petites nouveautés sur son passif. Quand un allié mutant vilain passe sous les 70% de HP, on va gagner plus 1 provocation. Avant, c'était si un allié passe sous les 50% de HP. Et quand notre petit Strife est chargé, il a aussi 500% de résistance en plus. Ça, c'est nouveau et ça va faire très très mal. Ça va être extrêmement compliqué de lui supprimer ses buffs. On a aussi en défense de guerre d'alliance, au début du combat, si Mystique est un allié, ben c'est là qu'on gagne nos petites charges sur notre Strife. Ensuite, les modifs sur Mystique avec sa basique, hein, son attaque de base maintenant, elle va mettre 15% de dégâts en plus, elle met 245%. Et elle bonus attaque à 205%. Okay, avant, c'était 190. Si Magneto ou Madeline Pryor est un allié, on va copier tous les effets positifs, sauf provocation. En défense de guerre d'alliance, quand ce personnage contre-attaque ou fait un assist, on applique un petit saignement. Ça, c'est nouveau. Sur son spécial à notre Mystique, on envoie maintenant 255%. On mettait 240 avant. Et on met 185% sur les cibles additionnelles qui n'avaient pas furtivité. On leur mettait 170 avant. Et si Magneto ou Madeline Pryor est un allié, cette attaque est inévitable. Sur l'ulti de Mystique, on met 165% au lieu de 150. Et en défense de guerre, attaque inévitable. Cette attaque cible un ennemi non invoqué qui a la vitesse la plus basse à la place de la cible principale hein, en défense de guerre d'alliance. Donc ça va aller taper quelqu'un automatiquement. Et ça ignore bien sûr provocation et furtivité. Voilà. Et on applique provocation sur la cible principale. Et si notre Mystique possède au moins 3 maraudeurs alliés, on applique étourdissement. Sur cette cible principale, ok. Donc il se passe beaucoup de choses différentes hein, avec cette ulti. On gagne un petit peu de dégâts, l'attaque est inévitable, on va aller taper quelqu'un automatiquement qui a la vitesse la plus basse et on va appliquer provocation et étourdissement sur cette cible. Je trouve ça quand même très très cool. Et enfin sur Mister Sinister, son ulti maintenant en défense de guerre d'alliance, il va aller cibler l'ennemi qui a le plus de dégâts au lieu de la cible principale, ignorant provocation et furtivité. Et on peut aller, on peut aller cibler un Dark Phoenix, okay, parce que c'est une cible non invoquée avec les dégâts les plus élevés à la place de la cible principale. Okay. Donc l'ulti de Mister Sinister qui va pouvoir aller cibler d'autres personnes hein, que les petites invoques avec provocation. Par exemple, je pense à Multiple Man que vous aurez mis devant lui. Donc un ulti de Mister Sinister qui devrait être un petit peu plus fort qu'avant. On regarde maintenant le kit de Madeline Pryor, Goblin Queen. Sur sa basique, on met 300% et on flippe un effet positif. En défense de guerre, on flippe 3 effets positifs en plus sur la cible principale. Okay, donc on va flipper jusqu'à 4 effets.
avec son spécial qui coûte 6, qui arrive déjà chargé, on attaque tous les ennemis, 300% dégâts, et on met défense réduite pendant 2 tours. S'il y a Cyclope, Phoenix ou Dark Phoenix dans la team adverse, on va bonus attaque tous les ennemis, 300%, ok? Donc attaquez jamais les maraudeurs avec les X-Men. On applique aussi attaque réduite pendant 2 tours sur tous les ennemis cogneurs ou tireurs. Et on applique aussi obstruction pendant 2 tours sur tous les ennemis protecteurs ou contrôleurs. Et Kappa Block pendant 2 tours sur tous les ennemis soutien. Attaque incontrable en défense de guerre, c'est inévitable. Et on applique aussi Kappa Block sur tous les ennemis protecteurs. Okay, donc un spécial quand même assez fâché qui va mettre beaucoup de debuffs très 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 relou. J'aime assez hein, ce spécial incontrable, imbloquable. Ça veut aussi dire que voilà, c'est pas bloquable, on peut pas éviter un éventuel coup critique, etc. Je trouve ça quand même très 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 sympa. Ça dépend aussi hein, des dégâts de base qu'elle a, mais elle devrait avoir des bonnes stats. Ulti, il coûte 6, il arrive avec 4 d'énergie, donc dispo tour 2. On flippe tous les effets positifs sur la cible principale, on lui met 600%, on prolonge les effets négatifs de 1 en défense de garde d'alliance, attaque qui va cibler automatiquement l'ennemi non invoqué le plus blessé. S'il y avait Dark Phoenix, par contre, on peut la cibler elle. Si on tue avec cette capacité, on va générer 2 énergies de capacité pour un random Mister Sinister allié. Attaque, encore une fois, imbloquable. J'aime beaucoup tout ça. Le passif Goblin Queen. Quand un ennemi attaque Emma Frost, un maraudeur ou un clone allié qui a moins de 50% de santé, on va faire contrôle mental sur l'allié qui a le plus de dégâts pour aller attaquer cet ennemi. L'allié contrôlé gagne 30% de dégâts en plus pour cette attaque, ok. On gagne aussi 20% de focard en plus sur toute la team de maraudeurs, 20% de dégâts en plus sur toute la team de maraudeurs, 50% de chance d'assist sur les capacités qui ne sont pas des capacités d'attaque, ok. Donc votre Madeline Pryor, dès que vos petits camarades ils vont faire des capacités qui ne sont pas des capacités d'attaque, 50% de chance d'assist. En défense de guerre, 50% de résistance en plus sur Madeline Pryor par ennemi cogneur, et on réduit les chances de coups critiques de 50% pour tous les mutants ennemis, et à l'apparition, on donne 30% de barre d'action pour un allié Strife aléatoire. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça va un peu garantir que votre Strife, il va commencer très 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 vite dans le combat, pouvoir poser sa provoque, donner de la barrière à tout le monde, il a une résistance de ouf, et je trouve ça extrêmement intéressant. Au niveau des commentaires des développeurs, un perso donc qui a une grosse focalisation et des bons dégâts de base, Madeline Pryor permet aux maraudeurs, en gros, de vaincre désormais certains de leurs contres, par exemple les Shadowlands. En tant que vilain, elle va pouvoir faire contrôle mental sur ses propres alliés pour aller attaquer les ennemis, ce qui va permettre de passer un peu outre toutes les mécaniques anti-contrôle mental, par exemple des persos comme Shadowland ou Icaris SS et Cersei. Au niveau de la reco ISO 8, il nous propose Tirailleur parce qu'elle va assister dans tous les sens, donc elle va poser des vulnérables, c'est pas mal. Elle fonctionne évidemment très bien au sein de l'équipe des maraudeurs, et va permettre d'appliquer des obstructions, des Kappa blocs et de contrôler un peu l'équipe adverse. Voilà, ça va être tout pour moi aujourd'hui. On a vu du coup Rework Marauder et cette petite Madeline Pryor que je trouve quand même assez sexy, assez intéressante. Je vous laisse avec un petit peu de gameplay. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à me dire hein, en commentaire si ça va vous remotiver un petit peu à investir dans cette équipe des maraudeurs qui devrait redevenir plutôt top tier hein, en défense de garde d'alliance. Moi, je trouve ça assez cool. Voilà. En tout cas, laissez-moi un petit commentaire, un abo, une cloche. Et moi, je vous dis à la prochaine, les gens. Enjoy. Ciao.